Bien, salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo spéciale 1050 Fent. Ça fait longtemps que je l'attends, là, ça fait des mois et des mois. J'attendais déjà sur l'FS 13, il n'était pas sorti. Donc là il est sorti et franchement j'en suis très 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 content. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment il est magnifique. Je vais le mettre tout au ralenti. Franchement il est super bien modé. Regardez-moi ça, c'est juste excellent. Il est magnifique, franchement il est magnifique. Après c'est une bêta, hein. Le lien sera dans la description en bas, comme d'habitude. Regardez-moi ça, il est juste magnifique. Hop, je vais mettre tout en détail, tranquille. Franchement voilà. Donc là on est monté à l'intérieur. On va un petit peu voir ce qui fait. Hein. On va remettre les commandes, voilà, tac. On va un petit peu voir ce qu'il fait comme truc. Oh là là, il est vraiment magnifique, franchement. Les phares, on va regarder un petit peu les phares. Quand ils s'allument, ouais, c'est magnifique. Il y a du travail de fait, hein. Il y a un gros travail de fait, hein. Rien à dire. Voilà, vous voyez. Les phares, tac tac. Magnifique. Il est juste splendide ce mode. C'est une bêta, hein. Il n'est pas totalement terminé. Méta, c'est ça que ça veut dire, c'est que c'est pas fini. Mais déjà là, franchement, on va voir un petit peu l'intérieur. L'intérieur, il est magnifique, hein. Tac. Et quand on allume les feux, regardez, tout s'allume quand on allume les feux, c'est splendide. Franchement, il est splendide ce mode, il est. Oui, moindres détails qui sont faits, c'est les rétro fonctionnels, tout est vraiment bien fait. Tac. Entrer un numpad pour ouvrir les portes, voyez. Hop. Fermer FH. D'accord, ça c'est pour le relevage. Voyez le relevage. Attendez, hop. Le relevage. Normalement, il se lève. Là, l'élevé. Là. On refait ça, tac, on reclique dessus, et normalement il est plus relevé. Enfin là il est relevé, voilà, là il est relevé, tout à l'heure il était descendu. C'est beau. Les clignotants, comme d'habitude. Hop, le gauche, le droite, inversé, enfin c'est. Soyez intelligent un peu, c'est franchement il est très très beau. Tac. On peut pas fermer l'intérieur comme ça. C'est pas cool ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? À part la porte là. Là il y a ça, d'accord. Voilà, la fenêtre. La fenêtre de derrière. Il y a peut-être un toit ouvrant, je sais pas. Tac. La fenêtre sur le côté. Ah, il y a les petits panneaux sur le côté. Voilà, magnifique. Tac. Je découvre en même temps que vous, hein, je. Hop. Ah c'est un superbe mode. Ah faut le mettre aussi, cela en fait, il n'y en a qu'un qui se déplie, il faut déplier l'autre aussi. Petit toit ouvrant, non? Pas de toit ouvrant. Ah si, voilà. Je savais bien qu'il y avait un petit toit ouvrant. On va voir, regardez de l'extérieur. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Ça c'est la carte. Franchement les. Regardez. Je vous montre tout. On va faire une petite pointe de vitesse les amis avec. Allez, oh là, allez. Il glisse un peu. Bon c'est pareil, il y a la fenêtre qui est ouverte. C'est juste pour voir sur le plat. Ouais, 63, 64. Tac. Par contre ça me dérange. J'aime pas rouler avec les fenêtres ouvertes. Avec les portes plutôt. Tac. Hop, on revient. Les gyros, hein, ça marche, hein, regardez. Tac, les gyros ils marchent, ils sont fonctionnels. Et maintenant on va voir s'ils tirent bien. Ils glissent un peu, hein, je vous l'avoue, ils glissent un peu. Hop. Maintenant, je vais voir ça, s'ils glissent.
C'est sali, hein, je pense, parce que je vois que déjà le crochet est à moitié crade là. Je sais pas si c'est fait exprès. On va voir s'il tire bien. En plus, il y a la côte exprès pour. Je l'ai bien rempli exprès la remorque. Ouais, il tire pas mal, franchement. Il fait ses chevaux, quoi. Ah, il a du mal à tirer quand même. 29 000 litres. Ouais, il a du mal à grimper, hein. Faut pas une plus grosse côte que ça, parce que sinon, quoi. Sinon les rétros sont bien fonctionnels, ils sont bien mis en fait, ils sont bien, on voit bien les remorques, regardez. On voit bien que quand elle glisse, la remorque elle glisse aussi, regardez. J'en fais exprès là, je vous le dis. Hop, on voit bien les petites remorques et tout. Tac, je tourne à gauche, on voit bien la remorque à gauche, et je tourne à droite, on l'a bien à droite. Le petit rétroviseur au milieu, les rétroviseurs sont très bien réglés. Ils sont très très bien réglés, c'est quelque chose qui est super ça. Tac. Bon voilà les amis, c'était la présentation du mode du Fendt 1050. Hein, le lien dans la description juste en bas par Vassili, hein, qu'on attendait depuis très 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 longtemps. Donc aimez, partagez, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Hi-ha!